Shalom bien-aimé, que Dieu vous bénisse. C'est Pasteur Isaac à l'Ordre de France. Shalom bien-aimé. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Chers abonnés, faites abonner les autres, s'il vous plaît. Soyez bénis, c'est Pasteur Isaac Kalonji de France, pour ses bien-aimés. Nous sommes dans Évami Tabernacle, évangélisation missionnaire, Tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Abonner les autres, nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries, et nous sommes aussi sur Facebook, Évami Tabernacle Jésus-Christ, et nous faisons aussi un plongeon dans TikTok, Isaac Kalonji Ministries, que Dieu vous bénisse. Pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Nous sommes contents, bien-aimés, et croyez d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Évami Tabernacle, l'œuvre de la dernière heure. Alléluia. Nous sommes au temps du soir. Nous sommes la pluie de la vie, c'est encore ta grâce. Soyez bénis, chers bien-aimés, nous sommes dans la joie. Dieu nous a renouvelé sa grâce. Nous voici encore une fois de plus devant vous pour annoncer la parole. Rien que la parole. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et richement. Nous sommes votre frère, Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous œuvrons dans Évami Tabernacle, évangélisation missionnaire. Nous sommes situés en France. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans une série que nous avons annoncée la fois dernière. Je vous avais promis de vous parler du silence des dieux. Le silence des dieux est notre thème de ce soir. Nous allons prendre les livres de 1 roi. La parole de Dieu est succulente. Elle est mielleuse et elle est merveilleuse. Nous allons parler aussi du miel dans quelques jours. Pourquoi Dieu a promis à son peuple? Pourquoi Dieu a fait cette promesse d'amener son peuple dans le pays où coule le lait et le miel. Nous voyons que Dieu parle beaucoup trop de miel. Et l'Esprit nous a dit de nous attarder un peu là-dessus. Pour que nous puissions voir pourquoi Dieu a choisi le miel. Oh, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle est? Elle est succulente, délicieuse. Chers bien-aimés,
Quand la parole s'explique par elle-même, ça nous donne beaucoup plus de joie. C'est pourquoi nous vous demandons, avant de commencer, de faire abonner les autres, d'appeler les autres pour qu'ils suivent cette parole. Elle est simple, limpide et potable, nous la trouvons nécessaire pour la foi des gens bien-aimés. Parce que la parole vitalise, elle est vivifiante et donne la vie et la vie en abondance. Quand la manne tombait du ciel, la Bible nous dit que ceux qui en avaient plus donnaient à ceux qui en avaient moins. De sorte que personne ne puisse manquer de rien. Et personne ne manquait de rien. Dans le désert, personne ne mourait de faim. Parce que la manne était partagée entre les enfants de Dieu. Équitablement. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Dieu n'est pas injuste. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Jésus-Christ est merveilleux. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il donne à chacun sa portion de grâce. Il donne à chacun sa portion de la parole. Tu peux suivre un verset expliqué inspiré par le Saint-Esprit à un pasteur. Un jour, un autre jour, tu le suis chez un autre pasteur. Et les délicieusement aussi inspiré et expliqué d'une autre manière. Ça, c'est Dieu qui fait grâce. Dieu est dans la diversité, mais Dieu veut que cette diversité soit dans l'unité. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons choisi ce thème. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, au chapitre 19. Le verset 11 nous dit ceci. N'oubliez pas que notre thème est le silence des dieux. Yahweh dit à Élie, sors et tiens-toi dans la montagne devant Yahweh, devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les vents et brisait les rochers. Ces vents étaient forts, violents, de sorte que rien ne résistait devant lui, que ce soit les montagnes, que ce soit les rochers. L'Éternel n'était pas dans le tremblement des terres. Et après les vents, ce fut un tremblement des terres. L'Éternel n'était pas dans les tremblements des terres. Et après les tremblements des terres, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie? Tu fais quoi ici, toi? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour Yahweh l'Éternel. J'ai déployé mon zèle pour Yahweh l'Éternel, le Dieu des armées, Jéhovah Sabaoth. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et il cherche à monter la vie. Yahweh lui dit, va reprendre ton chemin
par les déserts jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi des Syries. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à la place. Ah, c'était une scène horrible ou terrible aussi. Il y avait un vent violent devant Élie. Parce qu'auparavant, Élie, l'homme de miracle, Dieu l'avait accompagné avec une puissance extraordinaire. Dieu a fait descendre le feu du ciel. Dieu a accompagné Élie d'une manière extraordinaire. Et nous tous, quand nous parlons d'Élie, nous faisons allusion, nous tous, au miracle devant les prophètes de Baal. Parce que le feu était descendu du ciel. Mais cette fois-ci, Dieu voulait parler à Élie d'une autre manière. Devant Élie qui était caché dans la caverne, nous expliquerons un jour tout ça. La caverne d'Élie, la caverne de Moïse. Nous vous parlerons de ces choses, bien-aimés. Soyez abonnés sur notre chaîne Isaac Kalonji Ministry sur YouTube. Sur Facebook, nous sommes les familles Tabernacle et Jésus t'aime. Nous vous parlerons de toutes ces choses. Si vous aimez la parole pure, limpide et potable, la parole du moment, la parole de l'heure, la parole sans chichi et sans ajout. Alors il y a un vent violent devant Élie. Ces vents brisaient les montagnes parce que la puissance était énorme dans ces vents. La violence était énorme dans ces vents, de sorte que même les rochers s'est déchiré. C'était terrible, horrible à vivre. Il y avait, vous savez, quand il y a un vent violent et que les montagnes se déchirent, les rochers se déchirent, ça fait des gros bruits. Si vous avez déjà assisté dans une carrière où on explose les rochers pour extraire les minerais qui sont dedans, dans des pierres ou bien dans des rocs, ça fait des bruits énormes. L'explosion a produit des vacarmes énormes, de bruits assourdissants. Et c'était comme ça. C'était plus que ça. Parce que ça déchirait carrément les montagnes et les rochers. La scène était horrible. Vous savez, le bruit qui... Je pense que même, il s'est bouché les oreilles, notre frère Élie. Parce que le bruit était tellement fort. C'était violent, c'était puissant. Dieu agit avec cette puissance dans certaines situations. Il agit avec une puissance telle que celle qu'il avait utilisée devant Élie, le prophète de Baal n'a pas pu résister parce que le feu était descendu du ciel. Et Dieu lui-même, la Bible nous dit que dans les cieux là où il siège, là où il y a son trône, il y a beaucoup de bruit. Il y a des milliers d'anges qui joue les luttes de la guitare, la cymbale pour l'adorer, pour l'exalter, pour les célébrer, pour les glorifier. Pendant que des énormes bruits sortent de leurs adorations, le 24 va quitter le trône en or et disent sans cesse, ils disent sans cesse que tu es digne, tu es digne. Et ces bruits-là s'accompagnent de l'adoration des anges, des séraphins, des chérubins. Et en même temps, les quatre êtres vivants disent « Saint, 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 Saint !» Un vacarme terrible dans les ciels. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange.
Il y a des bruits énormes au ciel. Parce que Dieu est dans ces bruits de la puissance, de l'adoration. Dieu agit dans cette puissance. Il aime cette adoration. Il aime ce bruit. Il aime cette puissance. Si je peux faire la tautologie sur ces plans. Dieu aime ces bruits-là de puissance. Il impressionne. À un certain moment, quand il est descendu sur le mont Sinaï, la puissance était tellement énorme que la montagne sainte de Sion bougeait. Et Moïse était dans la peur la plus totale, une peur bleue. Il a dit, Seigneur, si tu peux arrêter un moment, parce que la montagne était fumante par la puissance de Dieu qui était descendue sur la montagne. Dieu était dans cette puissance. Et la montagne était fumante. La montagne bougeait. Moïse a dit, Seigneur, si tu peux atténuer un peu, si tu peux diminuer, s'il te plaît, je suis épouvanté. Je suis dans l'épouvante, je suis dans la peur. Dieu descend dans la puissance. Frère, quand Dieu veut parler, la Bible nous dit que quand Dieu parle, c'est comme le bruit des grosses eaux. Vous avez déjà entendu le mugissement des eaux. Quand Dieu parle, la Bible nous dit que quand Dieu parle, c'est comme le bruit des grosses eaux. Et quand nous allons dans l'Apocalypse, quand Dieu parle, c'est comme des tonnerres. La Bible nous dit quand Jésus-Christ était venu sur cette terre, Elohim El Shaddai, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, la parole faite chair, l'émissaire de la piété de tous les temps, est devenu grand quand Jésus-Christ s'est fait, quand la parole s'est faite chair, à cet homme Jésus-Christ, 100% Dieu, 100% homme. La Bible nous dit qu'une voix sortait du ciel, les autres entendaient ça comme des tonnerres. Même quand il a parlé à Paul, il a parlé, les autres entendaient ça comme des tonnerres. Et une lumière impuissante était descendue. Dieu agit dans une puissance extraordinaire. Dieu, quand il veut agir, la Bible nous dit aussi que quand il parle, c'est comme la voix d'une multitude. Dieu aime le feu. La parole de Dieu dit que devant lui est un feu. Derrière lui est un feu. Il est un feu dévorant, un feu qui dévore. Mais voici que les vents étaient là. Devant Élie. Mais Dieu n'était pas dans les vents. Violent et puissant. Dieu n'était pas là. La parole de Dieu n'était pas sortie dans cette puissance de la violence du vent qui brisait les rochers, les montagnes. Les tremblements de terre, comme vous avez senti les tremblements de terre sur la montagne sainte de Sion. Mais Dieu n'était pas dans ces tremblements de terre. Après cela, il y a eu un feu. Dieu est un feu, comme le feu qui descend du ciel. Comme devant le prophète Élie, les Tishbites devant le prophète de Baal. Dieu était descendu dans le feu et il a consumé l'offrande d'Élie. Parce que Dieu est merveilleux. Oh, cher bien-aimé, Dieu est le Dieu de miracles. Dieu est un Dieu puissant. On l'appelle El Shaddai. On l'appelle El Jibor. On l'appelle Mekadishkem. Grand Dieu et redoutable. Dieu est redoutable. Bien-aimé, vous savez, ces gens qui sont dans des zones de guerre, il y a différents bruits, hein? Mais ces bruits-là ne sont pas comparables à la voix de Dieu. Mais le Dieu qui avait maintenant parlé à Élie n'était pas dans le bruit. Alléluia, alléluia. Il n'était pas dans le tremblement des terres. Le Dieu qui avait parlé à Élie, il n'était pas dans le feu. Le faïa. Dieu n'était pas dans le faïa. Mais Dieu était dans le silence.
Et c'est en ce moment-là qu'il a parlé au prophète. Dieu, quand il veut parler au prophète, il parle dans le silence. Il donne la prophétie. L'apôtre Paul dit, je ne sais pas cette vision. Si j'étais dans quel état? C'était dans ma chair ou bien dans l'esprit? L'homme qui est monté jusqu'au septième ciel. Dieu l'a pris dans le silence. Personne ne savait. Et Dieu lui a parlé. Et Dieu, quand il est venu parler à Élie, Élie a senti un vent doux et léger. C'est en ce moment-là qu'il est sorti de la caverne. Il s'est tenu devant la caverne en entendant ce bruit, ce vent doux et léger. La voix de Dieu est sortie, lui a parlé et il a eu la force de marcher. Bien-aimé, Dieu n'est pas souvent des fois dans des tribulations, dans des bruits, dans les désordres. Dieu, des fois, il est dans le silence. Dieu agit en silence, bien-aimé. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, gardez silence, l'éternel Dieu combattra pour vous. Le silence de Dieu est plus puissant que toutes les autres démonstrations impressionnantes. Dieu agit en silence, bien-aimé. Il peut agir dans la puissance, de la force, de la violence. Mais quand il veut parler pour le départ, Dieu vient parler dans le silence. Quand il veut bénir aussi, il vient parler dans le silence, bien-aimé. Cette femme, Anne, une pauvre femme souffrante, meurtrie au-dedans d'elle-même. Elle était là dans les temples. Elle n'a pas crié, elle n'a pas parlé en langue. Oh, alléluia! Elle ne s'est pas roulée par terre, elle n'a pas sauté. Elle n'a pas dansé, elle n'a pas crié. Elle était là à genoux, en silence, de sorte que son silence était impressionnant, parce que ce qu'elle balbutiait avec ses lèvres, personne n'entendait ça. Même Élie a cru que cette femme était ivre, parce qu'elle était en silence, mais c'est comme si elle était devenue folle. Elle n'avait aucune parole qui sortait, mais elle était là en silence. Mais dans ce silence-là, elle parlait à Dieu. Et dans ce silence-là, Dieu n'a pas ouvert la bouche. Mais Dieu a agi dans le silence. Parce que c'est un Dieu des silences. Gardez silence, l'éternel Dieu combattra pour vous. Ne criez pas. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu a voix. Des fois, vous savez, bien-aimé, ça nous dit quoi? Ça nous enseigne quoi? Que des fois quand nous voyons, des sacrifices que nous donnons, de prières, des jeûnes, nous montons à la montagne, nous crions, nous gênons. Des fois Dieu n'agit pas en ce moment-là. Il attend son temps dans le silence pour agir. Des fois tu te dis, oh je suis abandonné. Dieu m'a quitté, Dieu ne t'a pas quitté. Dieu est là, il agit en silence. Dans des moments de découragement, tu te sens découragé, tu te dis, c'est fini, Dieu ne me connaît pas. Dieu n'exauce que les autres. Non, bien-aimé, dans ton silence-là, Dieu a écouté et Dieu agira. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas tourné le dos. Et même quand il te tourne le dos, c'est en ce moment-là que tu vois sa gloire. Je vous parlerai aussi de ça, du dos de Dieu. Toi, tu crois qu'il tourne le dos, mais il est là avec toi. Le prophète Élie avait écrit que Anne était devenue folle, et pourtant Dieu était là avec elle dans les silences. L'essentiel est de se tenir là, dans la caverne, dans sa parole, en Jésus. Et quand il passe,
Un vent doux vient te caresser. Un vent doux signifie la grâce de Dieu. La grâce, elle est douce. La grâce, je peux dire encore, elle est gracieuse. Elle est délicieuse. La grâce est comme un câlin doux. Elle vient te toucher. Parce que Dieu fait grâce à qui fait grâce, comme il a dit à Élie. Comme il a dit à Moïse. Quand la grâce vient, personne ne peut le savoir. Elle vient te toucher. Ne te lamente pas. Tu as une situation pour laquelle tu as prié. Des années. Et cette situation-là ne se décante pas. Tu ne trouves pas des solutions. Mais Dieu est là. Il agit en silence. Dieu n'attend pas les bruits. Ne fais pas des bruits pour qu'on sache que tu pries. La Bible nous dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et invoque-le. Il viendra. Il va te secourir. Ne crois pas qu'il t'a abandonné. Surtout pas ça. Il ne faut pas que ces doutes-là percent ton esprit. Dieu agit. Même dans le silence, il agit, bien-aimé. Ne crois pas que quand tu parles en langue, c'est à ce moment-là que tu cites Dieu pour que Dieu te bénisse et te donne des solutions. Non, Dieu agit en silence. Moi aussi, je parle en langue, bien-aimé. Moi aussi, je prie, j'écris. Des fois, je me jette par terre. Des fois, j'écris à plein gosier. Je dérange souvent. Je suis un jour, pour avoir une salle de prière, le propriétaire de la salle me disait, attention, quand vous allez prier, il ne faut pas beaucoup crier, il ne faut pas jouer beaucoup trop de tam-tam trop fort, de la batterie trop forte. Mais bien aimé, Dieu est un Dieu compliqué dans la diversité. Il peut agir dans la puissance, il peut agir dans le feu, il peut agir dans le tremblement des terres. Mais il agit aussi en silence. Ne crois pas que le silence de Dieu est un abandon. Ne crois pas que le silence de Dieu est un échec pour toi. Dieu te connaît. Et il a un temps prévu pour toi. Et un temps comme il avait prévu pour Anne. Un temps qu'il avait prévu comme pour Moïse. Un temps qu'il avait prévu aussi pour Élie. Il y a un temps pour toi. Le silence de Dieu est une bénédiction pour nous. Le silence de Dieu est une ouverture pour nous. Ne te décourage pas. Ne te lamente pas. Dieu agit aussi en silence. Un jour, j'ai prié pour les malades. Je voyais les gens tomber par-ci, par-là, touchés par le Saint-Esprit. Mais il y avait une autre sœur. Elle était toute silencieuse. Moi, je me disais, bon, peut-être qu'elle est déconcentrée. Mais c'est la seule qui était la plus silencieuse. Celle qui était touchée, projetée par terre par le Saint-Esprit. D'autres priaient en langue. D'autres priaient en langue. Mais celle qui était silencieuse là, est celle qui a donné le plus grand témoignage. Une guérison miraculeuse a touché dans son silence devant Dieu. Deux fois bien aimé, Dieu voit notre sincérité, notre foi. Et la sœur est venue, elle a témoigné, j'étais touché. Dieu lui a dit, sors. Elle est sortie comme Élie, qui était sortie de la caverne. Un vent doux l'a touché. Quand elle est sortie, elle est allée. On l'a triné, elle est revenue. Elle m'a dit, pasteur, Dieu merveilleux, il m'a guéri d'une maladie grave. Et tout le monde a applaudi. Nous avons acclamé toute la salle. Mais parmi les gens qui étaient tombés, projetés par terre, qui priaient en langue, il y avait d'autres qui avaient des visions. Mais il n'y avait aucun témoignage si percutant et puissant comme le témoignage de la sœur. Dieu est là. Il agit en silence. Vous voyez même Lazare. Quand Lazare est mort. Ah là 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 là. Lazare
Son corps s'est détérioré, il pourrissait, sentait mauvais. Et ses sœurs ont pleuré, ils ont dit, Seigneur, si du moins toi tu étais là, mais tu savais bien que tu aimais Lazare, c'est ton pote, c'est ton ami. Pourquoi tu l'as laissé autant de jours? Maintenant, la situation est grave. Il pourrit, il s'est détruit, il s'est détériore, c'est fini. Mais les silences de Dieu pendant les 2 jours là, oh, était un miracle. Quand il est venu, sa parole est sortie. Lazare n'est pas mort, Lazare dort. Lazare sort et Lazare est sorti dans les silences. Que Dieu vous bénisse bien aimé. Que les silences de Dieu agissent dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Les silences de Dieu est merveilleux. Les silences de Dieu est miraculeux. Les silences de Dieu est parlant. Les silences de Dieu est une grâce. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pasteur Isaac Alongi. Pasteur Isaac Alongi de France. Nous sommes Evami Tabernacle, notre ministère. Nous annonçons la parole de l'heure. Alléluia. Faites abonner les autres. Vous qui êtes déjà abonné, des familles t'amènent à que nous accablons du ministre. Soyez bénis. Que les silences de ce soir, ces silences du soir, vous bénissent. Faites abonner les autres bien-aimés, nous prions chaque fois pour vous et nous sommes contents d'être une grosse communauté toujours en croissance numérique parce que nous avons besoin de nombre pour atteindre beaucoup plus de gens pour être aussi à la surface. Soyez bénis pour votre abonnement, soyez vraiment bénis de la part de Jésus. Je suis votre frère pasteur Isaac Alongi de France. Soyez bénis mes bien-aimés. Jésus-Christ est merveilleux. De partager cette parole et quand vous aurez partagé, je vais porter participation à l'œuvre de l'évangile, à l'avancement du royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.